Allez, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour Watch Dog Legion, émission principale sur localiser 0D. Allez, on y go. Donc, c'était ici qu'il va falloir chercher. Oups là, je me suis trompé. Allez, on est go. Qui est vraiment 0D? On va le savoir bientôt. Là. Ce van est autonome, mais il semble protégé par des drones armés. Changement de plan. Restez suffisamment près que je trace l'origine du signal de contrôle. Merde. Bon, d'accord. Mais quand même, Bagley, je t'en veux un peu. J'en prends note pour votre épitaphe, le cas échéant. Jusqu'à ce que vous les sémiez. Je t'avais dit qu'il était toujours d'une aide précieuse. Traçage terminé. Le signal qui dirigeait le van provenait du bunker de Stockwell. Il y a de fortes chances pour que 0D soit basé là-bas depuis le tout début. Si c'est le cas, ils ont un sens particulier de la mise en scène. À nous de perfectionner notre jeu, alors. Envoie-moi les coordonnées. Allez, on se pousse.
vous approchez du bunker Stockwell, où se cache potentiellement l'odieux collectif de Hacker Zero Day. Allez. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? L'ascenseur qui descend au bunker de Zero Day est protégé par un étrange système de sécurité, une espèce de jeu de contrefaçon. Vous devez le résoudre pour accéder au niveau inférieur. Allez, on y go. Donc on va affronter Zero Day. J'éviterai de me foirer à nouveau à votre place, sans pression aucune. Bah j'ai pas vu le... Ah oui, d'accord, on recommence. Donc, là, là, et là. Il n'y avait pas de système de sécurité pareil pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui a pu faire ces améliorations ? Donc là... j'ai un doute. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3.
Alors, qui est-ce? On ne se sent pas les bienvenus dans leur carré VIP, n'est-ce pas? À en juger par la sécurité d'en haut, je m'attends à des mesures de sécurité pas très catholiques. C'est pas très accueillant ici. J'ai l'impression d'être dans la tête d'un psychopathe. Des machines, on devient une machine. La technologie doit servir les hommes, pas à les remplacer. Il y a un truc bizarre là-bas, je vais jeter un œil. J'ai l'impression que c'est le QG de Zero Day. Ils sont partis en laissant tout en plan. Bagley, tu peux m'en dire un peu plus sur cet endroit? C'est... pas autorisé? Comment ça, pas autorisé? Hein, pardon? Comment ça, non autorisé? C'est... Bon, apparemment, je ne peux pas le dire. Est-ce que je peux dire au moins que c'est franchement casse-pied? Ah bah, c'est déjà ça. Merde! Ce hacker a fait quelque chose à Bagley.
Regarde autour C'est de toi. Bagley. Essaie de trouver quelque chose. Oui, je suis sans doute en mesure d'analyser des points de données individuels. En revanche, je vous conseille d'enquêter en vitesse. Je détecte une activité d'Albion dans la zone. Ils doivent être à la recherche de Zero Day, eux aussi. Zero Day utilise la technologie de traçage par puce que nous avons arrachée à Mary Kelly. À votre avis, que peuvent-ils bien en faire? J'arrive vraiment pas à comprendre. Dans quel but faire tout ça? Zero Day sait fabriquer des drones Témis en rétro-ingénierie. Vous pensez qu'ils ont leur propre flotte? Zero Day a un accès secret à Filament, le superordinateur d'extrême surveillance qui obsédait tant Malik. C'est le code source Bagley, une copie de mon cerveau, de chez Brocatec. Code que nous avons récupéré dans le laboratoire de Sky Arsen. Bagley. Mais bordel. Il est clair que DedSec, à son insu, a dérobé des jouets pour Zero Day. Je détecte des appareils dans cet espace dortoir qui renferment peut-être des informations. Doucement, les garçons. Laissez-le respirer. Notre Guy Fawkes à nous. Mais c'est pas le bon masque. Vous chiez. J'ai pas posé cette bombe. Je l'ai désamorcée. Et même si je voulais croire un insurgé de tête sec, dis-moi, quelle différence ça fait après tout? Depuis quand Albion se charge d'être le juge et le bourreau? Londres n'est pas dans votre juridiction. Ouais. Ah, oh, maintenant si. Votre attention. Que toutes les unités se mettent en place pour verrouiller la ville. On rassure la population. On aide les blessés. On sort les armes. Excite la gueule devant les caméras, c'est compris? Bien, bien, bien. Si j'étais une IA joueuse, je parierais que Nigel Cass en sait beaucoup sur les attentats de Londres et sur l'emplacement de cette planque DedSec, comme si quelqu'un l'avait rencardée. Mais je suppose que vous ferez cette déduction à votre rythme. Non. Pas facile, les ruptures. Londres est en train de brûler? En partie. Alors j'ai rempli ma part du contrat. Donnez-moi les codes de filament. Un de vos amis de DedSec a fait échouer l'attentat du Parlement. Pour être honnête, je comptais vraiment dessus. Ça reste la plus grande attaque terroriste de l'histoire de Londres. Si ça ne vous suffit pas... Non, ça me suffit. Mais le contrat est rompu. Vous savez à qui vous avez affaire, Monsieur Cass. Je sais que vous avez posé des bombes dans la ville et trahi vos amis. J'ignore quelle bêtise vous allez faire avec un jouet aussi gros que Filament. C'est plus simple comme ça. On s'enfuit! Attrapez-la! Sabine, j'arrive pas à y croire. Elle a éliminé Dalton et la première cellule de DedSec Londres. Elle a manipulé tout le monde. Sabine fait partie de Zero Day. Cela explique pourquoi elle a effacé ma mémoire. Ça nous fait beaucoup à digérer, mais traitons le plus urgent. J'ai localisé la provenance du programme Drool Britannia. Cette console, par ici. Non... J'ai trouvé Drool Britannia. Intéressant. On dirait un patch pour le CityOS. Je sais pas comment l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est tout l'intérêt.
Alors, impressionné? Ça dépend. C'est quoi, Drôle Britannia? Le grand formatage de la société. Là où DedSec répare des bugs, moi, j'efface le code source. Je fais aussi griller le hardware. La totale. C'est vrai que vous avez fait un travail magnifique en m'aidant à voler toute cette technologie. Soit on n'a pas les mêmes goûts, soit tu te fous de moi. Et dis-moi, tes potes de Zero Day, ils arrivent quand exactement? Non, je fais ça toute seule. J'ai appris très tôt que personne n'est vraiment prêt à se sacrifier pour le changement. Les grands acteurs de l'histoire travaillent seuls. Ouais, d'accord, t'es une fanatique de première, toi. Oh! J'espérais que quelqu'un ici comprendrait pourquoi j'ai fait tout ça. Mes petites recrues. Je suis désolée. Mais une fois de plus, DedSec ne me sert plus à rien. Dispersion! Tant de gens vont souffrir aujourd'hui. C'est un honneur de mourir avec eux. Ratissez la zone! Non. Sabine m'a enfermé avec les tueurs d'avion. Il me faut du temps pour craquer le système de sécurité et ouvrir les portes blindées. Tâchez de survivre jusqu'à la fin du processus. Merci pour tout. J'ai déverrouillé les portes. Je vous suggère de vous enfuir en vitesse. Vous allez devoir trouver une autre issue. Albion a déployé des unités pour intercepter nos agents dans toute la ville. Merde, putain, ils reviennent à la charge, là! Je pensais prendre relais.
Eh bien, Sabine est 0D. Eh bien, je m'attendais pas du tout à ça. Putain, c'était chaud! J'ai réussi à me tirer. Bravo, c'est de toute beauté. Il y a des mercenaires partout ici. Ces blaireaux en ont aussi après moi. On est tous grillés. Il nous faut un point de rendez-vous. Sabine a divulgué vos positions à Albion. Tous les agents sont actuellement compromis. Je vous suggère de faire profil bas et d'éviter les regroupements. Je vous enverrai un point de rendez-vous discret. Mais j'ai sécurisé un point de rassemblement d'urgence loin de la planque. Je vous envoie les coordonnées. Thank you.
Bon, je les ai semés. Une bonne chose. Allez. L'autre soir, j'ai vu un concert formidable. C'était un petit groupe dans l'arrière-salle d'un club. Okay. Où sont les autres, Bagley? Il m'était absolument impossible d'isoler un seul lieu sûr. Alors j'ai envoyé chacun de vous à une adresse différente. Oh, ils m'ont envoyé dans une poubelle. Bah, moi, je suis dans une espèce de décharge, alors, tu vois. Bon, si vous avez fini de vous plaindre de la manière dont j'ai sauvé vos petits culs d'ingrats, reprenons le briefing. Ok. Londres, ici c'est Rodeil. Heureux de vous rencontrer. Ces petits attentats d'il y a quelques mois étaient un signe de bienvenue. Nous allons enfin faire plus ample connaissance. Cette technologie dont vous dépendez tant, les voitures automatiques, les sages pour mémé, les cœurs artificiels. Tout se retournera contre vous. Ce soir, votre monde moderne deviendra un enfer. Vous ne comprendrez certainement pas, mais c'est pour votre bien. Uniquement. La destruction est toujours le remède. Attention s'il vous plaît, c'est du lourd. J'ai découvert à quoi servait le patch Drool Britannia. Il m'est destiné. Zero Day, enfin Sabine, utilise une mise à jour de l'OS Bagley qui nous permettra à moi et à tous les autres Bagley d'accéder simultanément à chaque système vulnérable connecté au CityOS. Mon OS est intégré aux infrastructures clés de toute l'Angleterre, centrales électriques, hôpitaux, aéroports, banques et j'en passe. Lorsque j'aurai accès à ces systèmes, le patch les compromettra au point de déclencher leur panne. En conséquence, Londres et toutes les autres villes seront plongées dans le chaos, ce qui semble être l'objectif. Malheureusement, il m'est impossible d'annuler la mise à jour. Sabine a pensé absolument à tout. Est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas moi, de tuer tous les Bagley? Votre éclatant détachement quant à ma mort est peut-être la réponse. Oui. Alors on doit entrer chez Brokatech. Exactement. Vous devez détruire simultanément les serveurs qui m'hébergent et le réseau Bloom afin de m'empêcher d'accéder à mes sauvegardes. L'un de vous se rend donc chez Broca et l'autre à la Bloom Tower. Je vous expliquerai en chemin. Mm-hmm.
Et ben. Drôle Britannia a été déclenché et des millions de mini moi sont en train de ravager les infrastructures de Londres. Vous avez intérêt à me liquider au plus vite. Ouais, juste un truc. Perso, je peux pas tuer Bagley. Genre, pas du tout. C'est pas l'heure pour les sentiments. Il y a des vies humaines en jeu, là. Bagley, c'est que des lignes de code. Ok, je suis en route pour la Bloom Tower, pour neutraliser notre IA, si on peut appeler notre meilleur copain comme ça. Comment on fait? On se coordonne. Vous devez atteindre la tour et désactiver Bagley. Mais ça n'arrêtera pas l'attaque. Ces serveurs Brokatech se rebooteront immédiatement. En mettant en ligne, ça nous laissera une petite fenêtre pour qu'un autre agent désactive ses serveurs de façon permanente. Travail d'équipe, ma gueule. Tu fais ton truc, tu passes le relais. Bon, envoie les coordonnées. C'est pour le bien commun, mais quand même, Bagley, tu vas me manquer vraiment. C'est le chaos. Le chaos. Sécurité est anormalement élevée à la Bloom Tower. Regardez par ce projet que vous les ayez trouvés. Le suspect est là. Fini le relais. Merde ! La Russie a parti. On se fait tirer dessus. Mon arme s'est enrayée. Je viens d'appeler l'ascenseur. Je vous recontacte quand je suis en haut. Dites-moi que l'un de vous est déjà en route pour s'occuper des serveurs chez Broca. Allez. Bon, Nico. On va rester coincé dedans, c'est pas possible. Ah, on change de... Bon bah ça y est, on est aux portes de la mort. C'est de ma mort qu'on parle? Je ne vois donc pas d'où vous vient cet envolée lyrique. Brokatech, notre vieille amie Sky Larsen vit toujours à travers sa corporation absurde. D'après mes recherches, Bagley produit énormément de chaleur. Il lui faut un système de refroidissement gigantesque. Endommage les cuves de refroidissement, ça devrait déclencher l'accès d'urgence au serveur. Mais non.
Ça fera l'affaire. Activez la pression maintenant pour libérer le fluide refroidissant. Voilà, vous avez déclenché l'accès d'urgence à la salle de mon serveur. J'ai hâte de voir mon cerveau. Ok, c'est à toi. Mais vas-y, Orly. Je descends voir son cerveau. Ok, changement. Le transmetteur au sommet de la tour reçoit des paquets de données pour les mises à jour de mon système. Pour remonter jusqu'à mes serveurs principaux grâce à leur signal, il vous suffit de grimper jusqu'au transmetteur. Juste grimper la tour, hein, Bagley? Des petites surprises vont me manquer. Mais pas tant que ça. Oh-oh! La voie d'accès au transmetteur est verrouillée. J'ai une solution. Manipuler les ailerons de chaque niveau grâce à un drone modifiera leur position, ce qui créera une situation d'erreur. Ensuite, vous pourrez demander un scan qui débloquera l'accès à la porte sous couvert d'une opération de maintenance. Bien vu, Bagley. C'est le moment de trafiquer le signal qui contrôle les ailerons pour ouvrir l'accès au sommet de la tour. Ouais. C'est bon pour la première série d'ailerons. Passez au suivant. Ces ailerons m'ont l'air HS. Vous avez un don pour semer la bagaille, on dirait. Continuez comme ça. Un scan des ailerons est en cours. Vous devez attendre que le système les signale et envoie une demande de maintenance. Des tas de drones vont se diriger vers ta position. Fais gaffe. Oui, tâchez de ne pas mourir. Le scan doit s'achever afin de déverrouiller l'accès au sommet de la tour.
Eh bien. Cela a fonctionné. Les ailerons ont été signalés comme endommagés et l'échelle de maintenance est déployée. Super. Le transmetteur est juste au-dessus. Atteignez-le et désactivez-moi avant que je ne détruise tout le pays. À vous de voir. Ah oui, quand même. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose. Interruption de la transmission. Activez le prochain terminal pour me déconnecter. Elle est là. Merde. Oh, tu peux plus te passer de moi, c'est ça? Ou t'es juste incroyablement stupide? Voulez-vous que j'accède au transmetteur pendant que vous discutez? Oui. Oui? T'es incroyablement stupide, c'est merveilleux! Je vois que DedSec n'a absolument pas changé. Restez sur place un moment et ne vous éloignez pas du dispositif. Pas mal ton intervention sur Bagley. Mais il y a un truc que je comprends pas. Tu veux arranger les choses en semant le chaos? Arranger? Parce qu'il y a quelque chose à arranger? Quoi? Avec du crypto-anarchisme? Des manifs? Du doxing? Les optiques sont là pour nous fliquer comme des moutons. Albion abat des civils sans même essayer de se cacher. La délation est devenue un mode de survie. Puis... Non. Toi et ta petite bande, vous pouvez rien arranger. Non, on peut pas faire de miracle. On n'est pas des sauveurs. On est des chiens de garde. Nous, on limite les dégâts. C'est ça notre boulot. Et vous décidez de ce qui est bien ou mal? Oh. Oh. Dis-moi un truc. Combien de personnes vous avez tuées depuis le reboot de DedSec? Tu vois? Un grain de sable dans votre philosophie et on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Les ailerons doivent être repliés pour pouvoir tracer le signal. Je n'ai pas la main sur cette opération, mais vous, oui. T'es bien en train de dire ce que je crois, là? Quoi, tu penses qu'on devrait retravailler ensemble? C'est chou, mais non merci. Je dis seulement que comme vous, j'étais dans le déni. Entravé par la technologie. Et par la morale. Mais cette réinitialisation va remettre les pendules à zéro. Et permettre un nouveau départ. C'est dommage, tu ne seras plus là pour le voir. Sabine, quel gâchis. Ok. Plus de Sabine. Plus de 0D. Il reste maintenant à effacer la mémoire. Eh ben, elle est sympa cette morgue. Ces conteneurs de données sont bien vivants et ont une activité cognitive que votre cerveau visqueux ne pourra jamais comprendre, à défaut de l'égaler. Déjà, tu me parles autrement. Ensuite, comment on trouve tes conteneurs? Si vous désactivez le système de refroidissement du centre de données, l'arrêt d'urgence se déclenchera pour éviter la surchauffe. Cette procédure va éjecter 4 de mes conteneurs hébergeant mes systèmes centraux. Comme ils seront visibles, vous pourrez les détruire manuellement et stopper la mise à jour. D'accord. Ok. Bien. Allez, mettons fin à tout ça. Bon, et maintenant? Détruisez les thermostats pour déclencher la procédure d'extinction automatique. Ok, je m'en occupe. Je m'excuse d'avance, mais je suis sur le point de vous attaquer.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que je suis obligé de défendre mes serveurs centraux. C'est un protocole de sécurité programmé en dur. Rien de personnel, n'est-ce pas? Bon courage! Merde! Vous avez réussi. Les forces de sécurité convergent dans votre direction. Oh, qui de nous deux perdra la vie avant l'autre? On fait un pari? Du mauvais côté, c'est pas possible. Comment pour aller à l'étage là-dessus? Ah, ça va être par là. Température. Oui, le système de refroidissement est HS. Bien, mais il ne fait pas encore assez chaud. Un autre système de refroidissement fonctionne toujours. La température monte en flèche. Voulez-vous que j'appelle les services d'urgence? Et merde, Bax, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, j'ai de plus en plus de mal à réfléchir. Je suis quasiment descendu à votre niveau. Les protocoles de surchauffe se sont activés. Mes conteneurs de données sont au-dessus de vous. Utilisez le drone pour y accéder. Ok, je m'en occupe.
C'est juste que les projections indiquent une diminution considérable de votre efficacité après ma disparition. T'inquiète pas, mon petit Bagley. Tu nous as tout appris. Merci. Et je suis désolé d'avoir dit que je forniquais avec vos mères tout à l'heure. Je pensais juste que si je vous insultais, ça rendrait les choses plus faciles. La situation est extrêmement avancée. Quel dommage. J'avais une liste de choses à faire que je n'accomplirai jamais. J'avais tellement de projets pour Betsy. Donne-nous ta liste. On s'en occupera quand tu seras plus là. Oh, ne te dis pas n'importe quoi. Vous ne sauriez pas par où commencer si vous vous transformiez en intelligence collective cyborg. Vous concentrer sur l'essentiel. Vérification des arrachés corrompus. Je vais scanner les données de toutes mes premières recrues pour LFSA. Bah alors, mon Bagley, t'as un cœur, en fait. Sans déconner. Exact. Il semblerait finalement que j'ai mes propres failles. Vous avez déjà désactivé d'autres contre-feux. Ce sera la même chose. Non, rien à voir. Ouais. Il vous suffit de... Non, je peux pas te tuer. Impossible. C'est ce qu'il faut faire. Si vous vous en faites pour moi, rappelez-vous qu'on m'a reprogrammé pour servir... Batsek. Et cela va servir votre cause, et celle de l'ordre. Alors laissez-moi remplir mon devoir en vous aidant. Erreur logique. Tous mes systèmes se préparent. T'as toujours été là pour nous, Bagley. Pas une seule fois tu nous as lâchés. Erreur... 21-255. Processeur de langage. Puis-je interrompre ce processus? Alors ça, hors de question. De nouvelles pensées, Masai. Où vont les IA après leur mort? Vont-ils dans le cloud? Je servirai peut-être de composant électronique pour votre frère Oulu, quand vous aurez plein d'âge. Ouais. Non, mieux vaut pas penser à tout ça. Pensez, réflexion, idée, mémoire. Bradley aime les fraises, l'aviron. Arthur. Il est parti trop tôt. Que signifie il est parti trop tôt? C'est ce qu'on dit quand on perd quelqu'un qu'on aime. Est-ce que moi aussi, je pars? Au revoir, mon vieux Bugs. Et ben voilà, je pense que c'est fini. Bloom vient de confirmer que la terrible menace contre les infrastructures londoniennes a finalement été éradiquée de tous les systèmes CityOS. L'identité des hackers du groupe Zero Day, responsable de l'attentat, reste inconnue. Mais des sources confirment que DedSec a neutralisé le virus. Suite à l'attaque de Bagley la semaine dernière, de nombreux Londoniens procèdent à un jailbreaking de leur optique pour désactiver l'application obligatoire CSAY. Les sœurs ont lancé un sévère avertissement à toute la population. La police métropolitaine déménage pour reprendre sa place à Londres, dirigée par une nouvelle commissaire adjointe passionnée, Caitlin Lowe. Celle-ci déclare qu'elle fera tout pour redorer l'image de la police. Les membres du conseil municipal de Kentish Town ont déclaré leur projet de logements sociaux comme étant une zone sans Kelly. Les organisateurs disent qu'ils sont contraints d'assurer eux-mêmes leur sécurité et ils accusent Albion d'un manque total. Un ancien ingénieur d'Albion, Amish Bolaji, a alerté l'opinion au sujet d'un autre scandale lié à Albion. Cette fois, un problème de programme de robots de contrôle. Les citoyens continuent de relayer, via l'application DedSec, des preuves d'abus de pouvoir d'Albion et de corruption au sein des sœurs. Des milliers d'images et autres enregistrements audio tentent à incriminer les pouvoirs en place. L'entité du Dark Web, connue sous le nom de 404, sort de l'ombre pour révéler aujourd'hui une opération de blanchiment d'argent basée dans les îles Vierges britanniques. Les agences de surveillance officielles saluent le groupe pour avoir mis le nez dans les comptes d'une élite autrefois intouchable. Et maintenant, une autre altercation avec des unités d'Albion en soutien à la pseudo-résistance DedSec, groupe qui reste par ailleurs particulièrement silencieux depuis l'attaque de Bagley. Beaucoup se demandent si DedSec n'a pas à nouveau disparu.
Eh bien, allez. Je vous dis à plus.